نحاول معالجة هذا الموضوع من زاوية التفكير في الوضع الراهن في الجزائر وآثار التغيير الديمقراطي هناك وما يترتب عن ذلك في المنطقة ككل. والاختيار بهذا نحن جد سعداء باستضافة الأستاذ جون إنتلس، وهو أستاذ علوم سياسية ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة فولدر. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة نيويورك ودرس اللغة العربية في القاهرة وجامعة هارفارد وبرينستون، وحاز على العديد من الجوائز بما في ذلك عدد من منح فولبرايت، كما كوفئ على رسالة الدكتوراه التي أعدتها من طرف وزارة التعليم الأمريكية بمنحة فولبرايت هيز لإجراء بحث في لبنان، وكذا جائزة فولبرايت العليا للأساتذة في جامعة الجزائر سنة 1977 وكذلك تونس، كما نال جائزة فولبرايت للبحث الإقليمي في المغرب والجزائر وتونس، وقد توج أيضا بثلاثة من المنح الوطنية لمعاهد الصيف للعلوم الإنسانية والحلقات الدراسية. الأستاذ إنتلس هو المؤلف أو المؤلف المشارك للعديد من المنشورات العلمية على السياسة الدولية المقارنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين مؤلفاته التعددية والتحول الحزبي في لبنان، السياسة المقارنة لشمال أفريقيا، الحكومة والسياسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النخب السياسية في شمال أفريقيا العربي، إضفاء الطابع المؤسسي على أو المؤسسات على الثورة الجزائرية، الثقافة والثقافة المضادة في السياسة المغربية، الدولة والمجتمع في الجزائر، الإسلام والديمقراطية والدولة في شمال أفريقيا، وقد كتب كذلك العشرات من فصول الكتب والمقالات التي ظهرت في مجلات علمية رائدة في مجالات شتى مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط. وقد نشرت له أيضا أعمدة تحليلية في صحيفة نيويورك تايمز ولمون ديبلوماتيك ضمن منشورات أخرى، وهو محرر مجلة دراسات الشمال الأفريقية والمسؤول عن المشروع في المعهد الأمريكي للدراسات المغاربية. إذا أكتفي بهذا القدر وأدعوكم لترحيب الأستاذ جون إنتلس. شكرا. Merci, très bien. Je suis tellement heureux d'être ici avec vous. C'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'ai un texte intégral que je veux présenter. Ça va prendre peut-être 15-20 minutes, pas plus. Et après, on peut prendre des questions, on peut discuter ce sujet, peut-être des autres sujets aussi. Le titre de mon discours, c'est « L'Algérie révolutionnaire que non ». La nouvelle que l'épouse du colonel Mouammar Kadhafi et trois de ses enfants avaient trouvé l'asile politique en Algérie voisine, alors même que son régime était sur le point de s'effondrer, n'a surprise personne. Vu l'effort continu de ce pays à réaffirmer son héritage révolutionnaire, fruit de 132 ans, deux années d'occupation coloniale et de presque 8 ans de guerre de libération nationale. Cependant, cette lutte révolutionnaire, ancrée dans l'histoire, est routinisée il y a bien longtemps. Le mythe nationaliste résultant, défini par la bureaucratie et orchestré par l'élite, a autant pour objectif de maintenir le status quo politique que de servir de modèle de révolte populaire contre un régime hégémonique qui sont imposés par l'étranger ou complotés de l'intérieur. La répugnance de l'Algérie à abandonner ses corps révolutionnaires de Libye résulte d'un cadre de référence idéologique de passé, mais cependant toujours dominant par lequel l'Algérie voit le monde et veut être vue par lui. Elle traduit aussi une réticence à accepter les nouvelles réalités géopolitiques et stratégiques que le printemps arabe
créée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette perspective immobiliste existe dans le contexte des défis fondamentaux auxquels ont actuellement confronté le système politique algérien sur trois axes différents mais liés. Le premier challenge est une lutte des élites pour le pouvoir, opposant la classe gouvernante et le service de renseignement omnipotent. Deuxièmement, la bataille pour la suprématie économique entre les nationalistes de ressources et les réformistes économiques a conduit à une impasse politique. Ce conflit tourne autour du contrôle de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire la Sonatrach, l'énorme groupe pétrolier et gazier national. Pour finir, des divisions intergénérationnelles empoisonnent les relations entre l'État et la société. Une jeunesse insatisfaite, désillusionnée et désespérée, souvent suréduquée mais sous-employée, est descendue dans la rue et en une série de grèves sauvages, manifestations publiques et autres formes de protestation contre le régime. Ces manifestations signalent une rupture permanente avec le grand contrat social sous-entendu dans le mantra idéologique post-indépendante, la révolution pour le peuple et par le peuple. Les développements récents indiquent au plus haut niveau de l'autorité gouvernementale une lutte entre élites pour le pouvoir impliquant les trois piliers de l'État algérien, l'armée et les services de renseignement, la Sonatrach, qui constitue le moteur économique du pays, et l'élite dirigeante du parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale. Début janvier 2010, un bouleversement politique d'envergure nationale a touché l'équipe dirigeante de la Sonatrach. Le président de la société, Mohamed Mezian, ainsi que trois des quatre vice-présidents ont été licenciés à la suite d'une enquête relative à une affaire de corruption publique, enquête diligentée par le principal service de renseignement du pays, le département des renseignements et de la sécurité, ça veut dire le DRS, dirigé par le très influent général Mohamed Toufik Médien. Étant donné la relation directe entre Mézien et son patron, Chekib Khalil, le ministre de l'énergie, des mines et de l'industrie, ce dernier lui-même trouvait indirectement impliqué très peu de temps après l'éclatement du scandale. Le ministre n'a pas été inculpé, mais simplement démis de son poste influent lors d'un remaniement gouvernemental. Un mois plus tard, un autre événement marquant, à savoir l'assassinat d'Ali Tounsi, chef de la police nationale, la direction générale de la sûreté nationale, a entraîné d'importants bouleversement au niveau ministériel. Tounsi n'est pas un simple flic, mais une figure clé de l'appareil de sécurité du gouvernement, ayant dirigé le DGSN pendant plus de 10 ans. Sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, Tounsi a modernisé la police nationale, supervisant une expansion rapide du personnel et faisant construire dans tous les pays, le pays des douzaines de nouveaux postes de police dans le cadre du programme anti-terrorisme du gouvernement. Le fort soutien par Bouteflika des efforts de Tounsi faisait partie de la stratégie plus large du président visant à créer une force de sécurité puissante, loyale à l'exécutif et indépendante du DRS. Bien que Tounsi ait été
autrefois colonel de l'armée, il avait rejoint la vie civile depuis plusieurs années. Par conséquent, certains analystes ont vu un lien entre l'enquête du DRS sur le dirigeant de la Sonatrach proche de Bouteflika et le meurtre du chef de la police. Bien que le haut commandement de l'armée, autrement dit le pouvoir, ait joué un rôle déterminant dans l'accès de Bouteflika à la présidence de l'Algérie en 1999. Depuis cette date et après deux réélections de suite en 2004 et 2009, Bouteflika a graduellement réétabli son autorité sur ses patrons militaires. Grâce à l'élimination d'un grand nombre d'officiers supérieurs clés par une combinaison de retraites forcées, de nominations ambassadoriales et de décès dus à l'âge, il a pu concentrer le pouvoir ultime au sein de l'exécutif, avec lui à sa tête. Cette tentative de modifier l'équilibre du pouvoir au détriment de l'armée et en faveur de l'autorité civile n'a pas été appréciée par le général Médiane, le chef liaison mais puissant du DRS et l'éminence grise absolue du pays. D'autre part, l'analyse du conflit entre les nationalistes de ressources et les réformistes économiques est cruciale pour comprendre les manœuvres du gouvernement. Quand, à la fin mai 2010, Bouteflika a annoncé le remaniement ministériel, les implications politiques du scandale de corruption étaient encore en train de se jouer. Finalement, 14 hommes, dont la majorité avait occupé des postes de direction de la Sonatrach, ont été inculpés pour avoir participé à l'attribution directe de contrats à des sociétés de services internationales. Ils ont été remplacés par des individus plus proches des nationalistes de ressources, des conservateurs politiques de la vieille école et de l'armée. Trois membres importants du gouvernement Bouteflika ont été démis de leur poste ministériel, ce qui a porté un coup aux efforts de Bouteflika visant à détourner l'économie et la politique algérienne de leur passé trop autoritaire pour les orienter vers un avenir plus libéral et pluraliste. Les ministres limogés, étroitement associés aux politiques économiques réformistes, étaient Shakir Khalil, du ministère de l'Énergie, Abdelhamid Tamar, du ministère de la Promotion des Investissements, et Nureddin Zarhouni, du ministère de l'Intérieur. La confluence des événements dramatiques que je viens de décrire assure pratiquement que la ligne dure des nationalistes de ressources déterminera la direction de l'économie nationale, y compris le statut légal, administratif et financier de la Sonatrach à court et à moyen terme. Ces changements gouvernementaux sont significatifs car les trois hommes démis de leur poste prestigieux étaient professionnellement, politiquement et personnellement proches du président algérien. Khalil et Temar, par exemple, étaient au centre des efforts de Bouteflika au début de son second mandat visant à ouvrir le pays à plus d'investissements étrangers, en particulier dans le secteur de l'énergie, effort auquel l'armée est systématiquement opposée. En tant que ministre de l'Intérieur, Zarhouni s'appliquait à exercer les pleins pouvoirs de la présidence. À son poste précédent, il contrôlait la DGSN, le service de police qui avait été sensiblement renforcé, soi-disant pour soutenir la guerre contre la terreur, mais aussi pour compenser le pouvoir de l'armée et du DRS. Désormais, à titre du premier ministre adjoint, un poste nouveau et non défini, Zarhouni n'a plus les mêmes pouvoirs. Ces mouvements de personnel reflètent un changement de politique plus
plus large dans des zones clés de l'économie, en particulier le secteur de l'énergie. Khalil et Temar sont devenus tous deux les représentants du mouvement libéral dans l'histoire économique algérienne récente. Le premier ayant a été chargé de la libéralisation de l'industrie des hydrocarbures, dans laquelle des sociétés étrangères devaient être autorisées à détenir une part majoritaire des licences de pétrole et de gaz en amont et de l'industrie connexe en aval. Temar, lui, s'est vu chargé de la mise en œuvre d'une politique de privatisation destinée à vendre plus de 1 000 entreprises d'État. Toutefois, ces 5 dernières années, les deux ministres avaient été entravés par une stratégie de régime de plus en plus conservatrice et, de toute façon, avaient depuis longtemps cessé de promouvoir des réformes axées sur le marché. Le printemps arabe est arrivé à un moment critique de l'histoire moderne de l'Algérie, alors que l'État et une société sont plongés dans une grande incertitude. Bien que les manifestations contre l'État n'aient pas atteint les mêmes proportions qu'en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie ou en Yémen, le mouvement de protestation reflète bien un fort clivage au sein du corps politique. En Algérie, l'écart entre l'État et la société n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Un grand public profondément mécontent réclame le changement à une élite gouvernante apparemment indifférente, sinon méprisante. La liste des griffes de la majorité des Algériens ordinaires touche toutes les catégories de la société, de l'économie et de la politique. Ces griffes ont trouvé leur expression dans des actes de protestation quasi quotidiens et d'autres formes de désobéissance civile. Certes, peut-être de nombreux facteurs limitent le degré de changement politique via la contestation populiste en Algérie. La férocité de l'appareil militarisé et déterminé à se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix n'est pas le seul obstacle à la révolution. D'autres facteurs jouaient également un rôle important. La taille du pays, la diversité de sa population et l'utilisation de la richesse générée par le pétrole pour apaiser des classes mécontentes. D'autre part, le souvenir récent d'une guerre civile sanglante qui a fait 200 000 victimes, ainsi que les États continus de groupes terroristes Al-Qaïda au Maghreb islamique, hantent la conscience nationale et agissent comme un frein à une rébellion intérieure à grande échelle. Pendant ce temps, la population jeune de l'Algérie, majoritaire dans le pays, a commencé à articuler une vision politique très éloignée de celle de l'élite gouvernante vieillissante du pays. La phraséologie archaïque du passé est désormais remplacée par des revendications explicites pour la liberté politique, la démocratie et la dignité humaine. L'émergence d'un groupe peu coordonné de figures d'opposition connues sous le nom de Coordination nationale pour le changement et la démocratie a été le fer de lance d'une révolte populiste contre le régime depuis le début 2011, qui s'inspire dans une grande mesure des intifadas qui ont lieu en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais l'Algérie est-elle le prochain pays sur la liste? De grandes questions. Bien qu'il ait déclaré le contraire, il est peu probable que le président Afadi achève son troisième mandat en 2014, car il est visiblement malade. Et le système constitutionnel ne prévoit pas de mécanisme clair pour une succession politique.
en attendant un individu qui lui-même, à 72 ans, montre des signes de faiblesse physique à la tête d'un appareil de sécurité nationale énorme. L'industrie des hydrocarbures, dont proviennent pratiquement toutes les sources de revenus de l'État, demeure manipulée politiquement et mal gérée économiquement. Par conséquent, une société civile de plus et plus agitée ne veut plus être apaisée par des promesses rhétoriques ou des récompenses économiques à court terme en échange d'une obéissance politique. Ce qui est clair, c'est que les anciens modes d'établissement et d'application des lois devront être fondamentalement reconfigurés pour répondre aux revendications populistes pour la promotion sociale, l'opportunité économique et les libertés politiques. Comme c'est le cas depuis la fondation de la République, c'est l'armée qui fera que cette transition se déroulera paisiblement ou dans la violence. Merci bien pour votre attention. Sur l'Algérie. D'après vous, oui. S'il y a une volonté de la, du peuple algérien de faire un changement, oui. Comme en Tunisie par exemple. Comme la Tunisie, oui. Quel scénario d'après vous? C'est une bonne question. Regarde, pour les Algériens, on fait une comparaison avec les événements en Tunisie et ailleurs. Il dit, mais vous savez, en 1988, nous, les Algériens, à notre propre révolution, les événements de 1988, et après ça, il y a une nouvelle constitution, il y a des élections démocratiques, effectivement, et il y a 60 partis qui sont établis, et puis il y a des élections locales, où le parti qui a gagné la grande majorité des sièges, c'était FIS, le parti, vous savez très bien, Front Islamique du Salut. Et voilà, l'expérience d'Algérie, c'est en avance de tous les autres pays arabes, parce que voilà, c'est la première fois que nous avons l'expérience d'un moment vraiment démocratique. 60 partis, des élections qui sont transparentes, ouvertes, etc., honnêtes. Et on a accepté, apparemment, les résultats. Et donc, le FIS a pris le pouvoir dans presque toutes les grandes villes, et même les villes moyennes, et aussi dans les régions, vous savez très bien. Et ils ont un pouvoir pour une an. Ils ont resté, voilà, et on peut évaluer exactement comment va marcher le gouvernement quand il y a des parti islamiste au pouvoir, voilà, vous avez devant vous, vous pouvez évaluer comment il travaille. Effectivement, il a travaillé bien. Donc, après ça, il a préparé des élections parlementaires. Et puis, après le premier tour, aussi le FIS a gagné. Pas comme avant, mais clairement, presque majorité. Mais avant le deuxième tour, c'est l'armée qui a fait un coup d'État. Et après, la guerre civile et tout ce qui s'est passé. Ça, c'est 10 ans, 15 ans en arrière, exactement. Donc, pour les Algériens, ils disent, vous avez oublié, qu'est-ce que nous avons fait, et ça reste important pour eux.
Et mais vous savez, les Algériens, ils n'acceptent pas les leçons de n'importe qui. C'est nous qu'ils ont colonisé pour 100, 130 ans. C'est nous qu'ils ont fait une guerre au passé de 8 ans. C'est nous qu'ils ont confronté le monde entier, etc., etc. Ils sont très fiers de son propre histoire. Donc, c'est l'Algérie qui veut donner les leçons aux autres, pas pour les autres donner les leçons à l'Algérie. Ça, c'est notre mentalité. Avec raison, ils ont souffert beaucoup, évidemment. Mais plus important pour répondre à votre question, c'est l'expérience de guerre civile, avec les atrocités, les 200 000 gens qui sont tués, etc. Et donc, pour eux, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va, si on commence quelque chose, est-ce que ça va arriver à un point comme la guerre civile, ou est-ce que l'armée va vraiment accepter, comme en Égypte, ou même comme en Tunisie, ils vont reculer, voilà, non, le peuple veut la démocratie, on va faire rien. C'est pas le cas en Algérie. Le militaire a démontré souvent que si on arrivait à un point où l'État va éclater quelque chose comme ça, il va faire quelque chose d'autre. Donc c'est presque impossible de déterminer exactement comment ça va arriver un jour. Parce que vous avez presque toutes les expériences. L'expérience démocratique, l'expérience non-violente, et l'expérience violente et insurrectionnelle. Et aussi, vous avez le défi de Acme. Que l'État utilisait pour justifier une politique sécuritaire. Donc c'est nous qui protégeons la société civile, et sinon c'est le terrorisme, etc. Ça c'est le narratif, mais voilà. C'est, si on met toutes ces choses comme ça, c'est difficile de déterminer exactement comment ça va passer. À mon avis, l'Algérie est vraiment unique. Et différent. Et c'est difficile de faire une comparaison avec les autres pays. Une autre petite question, je vais dire, seulement. Si vous pouvez utiliser le micro. Toujours quand on parle pour la création du Grand Maghreb, on parle dans le conflit algérien, mais aussi parce que j'ai suivi beaucoup la révolution en Libye, je connais. Un vrai problème qui parmi le problème qui nous l'ont dit, c'est le conflit de révolutionnaires libyens avec l'État algérien, actuellement le régime. Et vous pensez que ce problème et la position de l'Algérie pendant la révolution libyenne, il va éliminer la création de grand problème? À mon avis, le bon problème reste avec le Maroc, plus qu'avec la Libye. Je crois qu'éventuellement, on va réconcilier avec la Libye. Mais c'est avec le Maroc que ce reste le vrai problème. Pour créer une Oumma viable, qui effectivement crée une région économique, effective, etc. Et je ne comprends pas pourquoi, j'ai des idées, mais je ne comprends pas pourquoi l'Algérie reste, la position qui reste sur la question de Sahara occidentale. Il ne bouge pas, jamais. Et par exemple, quand Mohamed Boudiaf est venu du Maroc, c'est le militaire qui le met dans le président, et assassiné 6 mois après. Et bon, c'est pas exactement la cause de ça, mais en Algérie, il y a des conspiracies partout. Voilà. Parce qu'il habitait au Maroc pour 30 ans, donc peut-être il a une tendance marocaine, et puis peut-être, en tant que président, que peut-être il va résoudre le problème de Sahara occidental en faveur de le Maroc. Donc, il était assassiné. On ne sait pas. Mais. À mon avis, ce n'est pas une question du peuple maghrébin, c'est une question des élites. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Libyens, ce n'est pas un problème entre les gens, c'est vraiment parmi les élites. Et l'Algérie, effectivement, à mon avis, c'est le militaire.
c'est les militaires. Bouteflika lui-même, il était né à Oujda. Il a des liens marocains. Et je crois que parmi les civils algériens, oh, laisser avec ça, il faut pour des raisons économiques. Et aussi, Algérie a le pétrole, le Maroc n'a pas. Donc, ils sont confortables. Ce n'est pas nécessaire de faire cette intégration économique. Donc, je reste pessimiste en termes de l'intégration du Maghreb dans le contexte de l'UMA. Et c'est dommage, finalement, pour toutes les régions. Mais le problème, à mon avis, c'est entre le Maroc et l'Algérie. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que tu crois que Bouteflika a rempli bien le sang tunisien et les égyptiennes? Elle a fait des changements dans la société, exactement le niveau de vie en Algérie. Il a augmenté les salaires de 155%. J'ai des amis d'académie algérienne, elle m'a dit qu'il a augmenté les salaires de 150%. Moi, j'ai en Algérie, j'ai participé dans un colloque qui concerne le renouvellement du Parlement maghrébin. J'ai participé, moi, comme Tunisien, j'ai remarqué qu'il y a eu des changements dans l'Algérie, essayant d'inspirer cette révolution dans le monde arabe. C'est pour cela qu'il a clairement dit qu'il a passé de la crise avec des données, de l'argent et d'ouvrir de plusieurs sources de participation entre les autres. Moi, j'ai parlé avec les Algériens dans la rue. Hein, et il m'a dit, de l'événement de Tunisien, même la police a changé son système avec les citoyens. Même le gouvernement essaie d'absorber les changements. C'est pour cela que je crois que c'est un motif de ne pas passer de la crise. Oui, non, vous avez raison. Premièrement, la société civile algérienne était très indépendante et très active. Pendant longtemps, je ne sais pas dans des mois, des années, il y a une histoire de participation, d'activisme, de démonstration, manifestation, etc. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais à mon avis, je croyais que le régime a essayé, comme vous avez dit, parce que l'argent avancer les conditions sociales, etc. Mais ça, c'est une tactique de court terme. Ça ne résout pas des problèmes profonds. La dissatisfaction parmi les jeunes, le futur de l'Algérie, il reste vraiment sceptique. Et on va voir, par exemple, les élections en 10 mai. Je crois que la participation n'était pas plus que 20-30%, peut-être moins, peut-être un peu plus haut, mais pas beaucoup plus. Et donc, c'est les réactions typiques d'un régime autoritaire. Le Maroc a fait la même chose, le Bahreïn a fait la même chose, l'Arabie Saoudite a fait la même chose. Voilà. C'est une capacité politiquement, économiquement, de bloquer un grand changement. Il essayait. Mais maintenant, nous avons un environnement tout à fait différent. Ce n'est pas comme en avant, comme dans le passé. C'est maintenant, vous avez la Tunisie, ou en Égypte, la Libye. Donc, c'est un monde tout à fait différent. Mais les élites, les leaders de ces pays pensent comme rien n'a changé. Et ils utilisent les mêmes tactiques comme en avant. Et à mon avis, peut-être, on va voir ce qui va passer. Ça ne satisfait pas les demandes du peuple en général. Bien sûr, les élites, les gens qui sont bien placés, etc. Mais je parle de la grande majorité des Algériens qui pensent que nous avons une société, un État qui est riche. Nous avons beaucoup de pétrole. Et pourquoi Tunisie, qui n'a presque rien, est plus avancée que nous?
Quelle raison? C'est la politique, c'est le militaire, c'est le pouvoir. Et ça reste profondément dans les mentalités de beaucoup des Algériens. Pas tout le monde, bien sûr, mais suffisamment de bonne majorité. Voilà, nous avons un Algérien avec moi, donc il peut parler plus directement de ces choses. Ça c'est mon avis. Monsieur le professeur, je vous remercie pour l'intervention qui, je pense, ouvre le débat sur ce qu'on appelle le printemps des révolutions. Après le 14 janvier, ce qui s'est passé en Libye, en Égypte, ce qui se passe maintenant en Syrie, on pense et on a commencé à parler d'un projet américain géostratégique par l'exécution du Qatar. Alors, ma première question, si on parle de révolution, de changement, peut-être ce changement très légitime et très, pour vraiment rejoindre les nations modernes et pour le prochain siècle, qu'est-ce que vous pensez de ce projet américain pour la répartition, une répartition nouvelle de la région, surtout en ce qui se passe en Syrie et avec la présence de l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan et tout ça. Et deuxièmement, est-ce que c'est le tour maintenant de l'Algérie, est-ce qu'on voit les raisons, parce que on sait, l'Algérie c'est un pays très dynamique, et à une jeunesse, ils ont aussi fait la révolution. Ils ont fait cette révolution depuis 70, on fait une autre révolution dedans. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, ici, votre intervention, pour mettre plus de lumière sur la question algérienne, qui va vraiment, je pense, va définir ce qui se passe dans le Maghreb en futur. Merci. Merci beaucoup. Je suis un professeur d'université. Je ne travaille pas pour le gouvernement américain. C'est seulement ma propre opinion, mais la majorité des politologues aux États-Unis, pendant la période Bush, quand ils ont fait l'invasion de l'Irak et tout ça, sont complètement contre. Il n'y a pas de soutien parmi la grande majorité des académiciens et surtout des spécialistes du Moyen-Orient. N'importe quelle justification qu'ils ont utilisée. La situation actuelle est un peu différente. Je ne sais pas si nous avons des militaires américains dans tel ou tel pays. Je sais par exemple en Algérie. Peut-être en Tunisie, je ne sais pas en Tunisie, mais en Algérie, je sais qu'il y a une coopération très proche entre les militaires américains et les militaires algériens. Ils font des exercices ensemble, ils ont une stratégie commune, ils partagent l'intelligence, etc. etc. Et ça aussi, je crois, c'est pas grand-chose pour les Algériens. Ça donne des autres raisons pour le militaire de justifier sa position au pouvoir en termes de combattre le terrorisme. Bien sûr, il y a des terroristes, mais ce n'est pas la même chose que le terrorisme. Le terrorisme, ça veut dire un mouvement global avec la capacité de rembourser tout le monde, chaque État, etc. Ça, je n'accepte pas. Je n'accepte ça. Donc, à le niveau sécuritaire et militaire, le cas d'Algérie, les États-Unis et les Algériens marchent et travaillent ensemble très proche. Et la deuxième catégorie, c'est le pétrole. Voilà, les Américains sont
des grandes compagnies pétrolières qui sont en Algérie. Mais au-delà de ça, à mon avis, il n'y a pas vraiment des contacts sérieux ou profonds. Et c'est presque impossible, n'importe quel pays, même les États-Unis, de commander, de dire à des Algériens, fais telle ou telle chose. C'est des Algériens qui disent à nous. C'est pas en cas d'Algérie, je ne suis pas en cas de Libye, même Égypte, parce qu'il y a les autres liens financiers, économiques, etc. Mais dans le cas d'Algérie, je crois que les États-Unis a deux intérêts importants et il y a une coopération dans tous les côtés. Au-delà de ça, on ne peut pas dire rien. Donc, je ne crois pas s'il y a un plan de promotion démocratique en Algérie, je crois que ça ne marche pas. C'est pas une promotion démocratique, oui. Mais c'est une promotion de l'ère, ou bien de l'âge, ou de la période où l'islam modéré va régner pour une période pour ne pas retourner au terrorisme, pour aussi avoir. Comme on a vu au Maroc, en Tunisie, et ça va être l'Algérie, le tour de l'Algérie, pour que les islamistes arrivent au pouvoir, et toute la région sera sous une certaine, c'est pas idéologie, mais oui. Une pensée similaire. L'expérience de l'Iran, à 79, a profondément affecté les États-Unis. Et il y a cette mentalité qui reste. Je crois maintenant l'approche officielle des États-Unis est de laisser passer tout ce qui se passe. Voilà, si ça arrivait dans une manière démocratique, populiste, etc., on laisse. Parce que si on fait autrement, on va à une chose comme l'Iran. Donc, c'est, à mon avis, c'est une position indifférente, pas active. Une acceptance de la réalité politique dans chaque pays. Si en Tunisie, on a, voilà, l'Ahda bien fait, alhamdulillah. Okay. Si en Égypte, les frères musulmans ont gagné la majorité avec Nour, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse ça. Ça, c'est mon avis. Peut-être derrière les portes, il y a une machination, je ne sais pas. Mais c'est ce que je vois, c'est ce que le secrétaire d'État a dit, etc. C'est une position, on doit laisser les États, les nations déterminer pour eux-mêmes. C'est ça. Yeah, if I'm wrong, in English, yes. Mike. Hello. Yeah, I listened very carefully to big lines of your speech. But I had three things, sort of a question and comments at the same time. Now, I mean, you spoke about the situation in Algeria, but I wish that you were more blunt. I wasn't blunt enough. And specific about what we may call the culture, the culture of the political actors in the scene. Like, for instance, when we compare the attitude of Hawari Mumidin with that of Bouteflika toward Arabization, we find that there has been a different attitude. Mm-hmm. That says that the idea of culture, because, I mean, political actors, there is a culture behind them which triggers their behavior to which side. And I think it's very important, in a sense, I mean, you know,
in political science, we speak a lot about humans are as political as homo politicus. But I think we should also speak of humans as homo culturus too. In the sense, what is behind? I mean, in fact, I believe that there will be no homo politicus or homo economicus without the culture, I mean the homo culture. Now, I'm speaking clearly and slowly. And the second, I was just asking if anyone needs attestation. And the second, the second thing, because you spoke that the army is really the big factor, but it seems to me with the Arab Spring, maybe even the army will have some challenge by two other tribes. Means, what will be the role of Algerian intellectuals? Okay, will they imitate the Egyptian intellectuals or the Tunisian intellectuals? And even defy the army orientation of decision. And I think here at the same time, this the civil society, because it has been shown that both in Algeria and in Tunisia and in Egypt, and maybe even in Libya, that the civil society has a big role, change the situation on the ground. And thirdly, I'm just curious, since you are, from the US, is there a new now vision, for the US government, how to deal with the new happenings in the Arab world? Thank you. سياسة التعريب في الجزائر وعلاقة الثقافة في السياسة الثقافية والسياسة الاقتصادية. أما السؤال الثاني فكان عن دور المفكرين الجزائريين وما إذا كانوا سيمتثلون لما قام به نظرائهم في تونس ومصر. أما السؤال الثالث كان وهو هل هناك نظرة جديدة للإدارة الأمريكية تجاه العالم العربي وبلدان العربية على بعض. أعتقد أنه دور الجيش وليس دور النخبة. دور الجيش. دور المفكرين. The army. Did you ask about the role of intellectual and the civil society? دور المفكرين والمجتمع المدني. Premièrement, avec quelqu'un de culture. Vous savez très bien que théoriquement et empiriquement, c'est difficile de operationaliser le concept de culture. Bien sûr, c'est très important. Mais c'est très intéressant que vous avez donné le cas de Bouteflika et Boumediene, parce qu'ils sont comme ça, les deux, de la même culture, de la même mentalité, etc. etc. Donc, quand Boumediene était morte, Bouteflika est parti parce que voilà, il n'a plus une amie au pouvoir. Bien sûr, le rôle de culture reste important, mais c'est presque impossible de déterminer exactement comment ça marche. Comment ça marche? C'est pas comme on peut déterminer l'économie. On a des données spécifiques, des statistiques, etc. Mais si on dit, par exemple, une culture politique démocratique, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Effectivement, ça qui compte, c'est le comportement. On n'a pas besoin d'une culture démocratique
pour une démocratie. À mon avis, aux États-Unis, actuellement, il n'y a pas une culture démocratique. Mais heureusement, il y a une institutionnalisation, un système démocratique. Même si nous avons des antidémocrates, le Tea Party, à mon avis. Donc, deux éléments importants de ce concept de culture. Premièrement, c'est très difficile d'appliquer en termes spécifiques. Et même si on peut le faire, ce n'est pas nécessaire. Et on a vu ça en Europe de l'Est, on a vu ça en Amérique latine, où vous avez vu des nations, des États qui n'ont aucune expérience avec la démocratie, et après l'autorité, le système autoritaire militaire, voilà, ils ont avancé démocratiquement. Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, quelle expérience avec la démocratie? Presque rien. Donc, si vous attendez une culture démocratique, une avance d'un système politique démocratique, vous attendez pour infiniment. La question de l'armée en Algérie est très différente en comparaison avec le cas de la Tunisie et l'Égypte. Oui, bien sûr, le rôle de l'armée en Égypte reste très important. Mais en Algérie, ce n'est pas seulement l'armée, c'est le DRS, la sécurité militaire. C'est un autre groupe qui est profondément secret. Et c'est presque impossible de déterminer qui sont les decision makers, les décideurs, qui sont. Même en Tunisie, voilà, ben Ali, Jalal Ahmad, voilà, en Égypte, c'est Moubarak, c'est Entelis, etc. Mais en Algérie, c'est qui? C'est pas Bouteflika. Donc, je reste très pessimiste si on pense qu'un moment où la société civile émergeait pour faire un grand défi contre l'État, que l'armée va suivre ça. Je ne crois pas. Et finalement, est-ce qu'il y a une vision des États-Unis en termes de printemps arabe? Je ne sais pas s'il y a une vision, il y a une réaction. Il n'y a pas une action, il y a une réaction, il n'y a pas un grand plan, il n'y a pas une philosophe. Et c'est pour eux vraiment, ils tournent la télévision et ils attendent. Ah, ce série aujourd'hui, ce série aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde croyait que les États-Unis ont une grande stratégie pour le monde entier, etc. Et c'est pas bien. Absolument. Donc, c'est étape par étape, jour par jour. Malheureusement, à mon avis, il n'y a pas de réponse. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre analyse bien fondée. Permettez-moi de vous poser deux questions. La première, que pensez-vous de la mouvance islamique en Algérie comme alternative politique qui peut concrétiser la démocratie et contrecarrer la mouvance dure comme Al-Qaïda pour le Maghreb islamique? La deuxième, quelle réflexion sur la circulation des armes dans la région? Merci. Merci bien. Deux très bonnes questions. J'ai fait des études sur pendant le moment de 89 et 90. 91. À ce moment-là, à mon avis, le fils était vraiment une partie démocratique. Bien sûr, il y a beaucoup de monde, surtout en Algérie, comme Saad Saadi et d'autres à gauche, etc. Dire, voilà, ils sont tous terroristes, ils sont autoritaires, et voilà, ils disent, voilà, regarde Ali Benhaj, mais je dis, regarde Badali.
on dit en anglais good cop, bad cop, c'est comme ça marche, comme ça, voilà. Et plus important, que j'ai observé pour 12 mois, 13 mois, le comportement du gouvernement islamiste en Algérie, à le niveau municipal et gouvernemental. Est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme les autres, ils ont gouverné. Ils n'ont pas imposé rien. Ils ont adapté, parce que l'Algérie est un pays très varié. Tlemcen n'est pas Constantine, El Oued n'est pas Gardaïa, Alger n'est pas Besra, etc., etc. Et chaque endroit, chaque village, chaque ville, et chaque ville, dans tous les endroits où les fils étaient au pouvoir, ils ont adapté dans le contexte local. Il n'a changé rien. Il y a des gens qui disent, ah voilà, c'est une politique de manipulation, il va attendre un jour qu'on est arrivé au haut niveau, et après... Mais vraiment, on a critiqué le fils en termes de théorie. Ah oui, quand il vient au pouvoir, voilà, tout va changer. Maintenant, vous avez devant vous le comportement du fils. Et il continue de critiquer. On ne peut pas gagner. Voilà. En théorie et en pratique, dans les deux cas, voilà des évidences, ils ne l'acceptent pas. C'est pas une question d'islamisme, c'est une question de la mentalité des hommes au pouvoir. Et c'est pourquoi le coup d'État a été. Maintenant, ça c'est il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est 20 ans maintenant. Regarde, 20 ans. Beaucoup a changé. Beaucoup a changé. Une guerre civile, 200 000 morts. Le fils est illégal. Il y a des autres soi-disant partis islamistes. Je n'accepte pas ça parce que je croyais que c'est l'État qui les manipule. C'est plus compliqué. Et la démocratie en Algérie était manipulée. Donc maintenant, je reste un peu sceptique de la possibilité de vraie démocratie, surtout si le fils n'a pas le droit de participer légalement au système parlementaire, etc. Et à mon avis, il reste parmi beaucoup des Algériens un soutien pour le fils. Et si pas pour le fils comme parti, pour la tendance, cette tendance islamique que le fils a représentée, ça reste là. Donc, si on a une situation vraiment ouverte en Algérie, et s'il y a une vraie compétition électorale, et tous les partis ont le droit de participer, c'est une partie islamiste qui va gagner. C'est ce que je dis. Votre deuxième question, Nana, après les livres, ça veut dire que c'est presque impossible de dire. Pas une position d'opinion, mais je n'ai pas des données, des informations valables de commenter. Merci. Je parle sans micro. Alors, merci beaucoup, monsieur, de votre présentation. Donc, moi, j'ai une petite question qui me tient à cœur. Est-ce que vraiment les États-Unis, je la vois impatiente?